J'ai mis ça à fond, je suis dans les bottes, il faut que j'y aille. Ouais, bah moi aussi. Ah, Mathieu, c'est bon quand on voit son micro. Il y avait surtout à Vincennes, au lieu de raconter des conneries, des fois t'es passé dans le bêtisier, c'est bien beau, mais quand tu le vois à Vincennes, tu parles dans la sucette, en général c'est que t'as gagné une belle course. Ouais. Bon bah justement Mathieu, c'est gagné celle-là. C'est le prix d'été que j'ai gagné. Ah non, c'était pour courir. Ouais, bien, non, bah, elle va Montaval, bonne jument, régulière, elle fait toutes ses courses. Elle venait de courir à bon niveau et elle s'était pas si mal comportée que ça. Donc là, l'engagement était bon et on a eu un super déroulement de course en plus. Donc elle se met à plat ventre et elle a bien repoussé les attaques pour finir. Bah, raconte-nous justement ce déroulement de course. En montant, c'est une course dans la course, vous étiez deux en tête. Tu te faisais emmener. Quand tu te retournes, tu te dis quoi à ce moment-là? On est allé trop vite ou c'est les autres qui n'ont pas réagi? Non, parce que c'est vrai qu'on est sorti assez vite de la raquette, on s'est tous placés un petit peu. Moi j'avais les ordres de laisser passer une bonne roue et puis quand j'ai vu Franck Ouvry venir avant le coup, c'était pas forcément la jument de la course, celle que drivait Franck, donc j'avais un petit peu de... Je me suis posé quelques questions et en fin de compte il a toujours laissé dérouler, mais dans le bas on n'allait pas si vite que ça, on était en 15-7, donc des juments comme ça c'était pas très vite et malgré ça on avait pris 2-3 longueurs, donc après bon je commençais à me friser les moustaches et puis en haut de la montée il venait juste de nous recoller et nous on n'avait pas fait d'efforts en montant, donc là ouais je Si elle se met à plat ventre, ça va aller. Ça faisait un petit bout de temps que, on va dire que la chance te fuyait. On te voyait prendre des places, mais gagner, c'était pas ça. T'as un écart 27, j'ai cru voir. Ouais, j'ai vu ça sentir. Enfin, en venant, en plus, j'ai dit, il faut que je brise ça. Là. Mais non, bah, les écarts, après, c'est vrai que d'une semaine, avec des chances un peu plus secondaires, des bonnes places et tout, on n'est pas malheureux. Mais bon, c'est vrai que l'écart arrive vite. Mais non, Vincennes, le week-end dernier, j'avais une bonne réunion à faire. On a pris deux fois second, troisième, quatrième. C'est bien beau, c'est des jolies courses. Mais bon, quand on peut repasser le poteau en tête, c'est mieux. Bon, bah là, c'est gagné. Bravo à toi. Ouais, la journée n'est pas terminée. Fabrice, c'est un beau groupe 3. Ouais, ça fait plaisir, hein. C'est la récompense, là. C'est une bonne jument, c'est bien. Est-ce que c'était... Tu t'y comptais avant le coup? Ah oui, j'y comptais gros. La dernière fois, je comptais déjà être là dans l'autre course, où il a fait la faute dans l'année tournant. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai conduit à 8 jours, la jument était parfaite. C'était un peu rapproché, mais je savais qu'elle était extra. Donc. C'est quoi sa principale qualité? Elle est dure, elle a de la vitesse, elle est brave, c'est une bonne. C'est une bonne course. Ouais, une vraie.